Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons déballer et tester un kit caméra sans fil qui a évolué depuis plusieurs années dans notre gamme et qui porte la référence D14-328. Alors, pourquoi choisir un kit de caméra sans fil ? Tout simplement pour la rapidité et la facilité du montage et surtout, cela évite de faire courir un câble le plus souvent de 20 mètres tout le long du véhicule. C'est parti pour le déballage. On retrouve à l'intérieur du kit trois notices, français, anglais et allemand. L'écran, la caméra seule, le support en U pour visser l'écran sur le tableau de bord, un second support type adhésif pour coller soit sur le tableau de bord, soit sur le pare-brise, une petite clé Allen pour le réglage, les petites vis qui sont associées au support en U, la casquette par soleil pour l'écran. Ensuite, nous avons le système d'alimentation, à savoir le cordon principal d'alimentation pour l'écran, le cordon d'alimentation allume-cigare, toujours pour l'écran, et nous avons deux petits faisceaux avec une connexion spécifique pour les écrans et la caméra, avec une alimentation positif et masse. Une autre petite clé, les antennes caméra et écran, et la télécommande de l'écran. Cet écran 7 pouces couleur possède des boutons à sa base, à savoir un bouton d'allumage, des flèches directionnelles, un bouton de validation et une touche menu pour accéder dans les divers menus pour régler selon votre convenance l'écran. Il possède également un emplacement qu'on vient libérer à l'aide de cette petite clé qui est fournie dans le kit, un emplacement pour la carte micro SD pour pouvoir enregistrer en fait tout simplement ce que vous voyez à l'écran et le garder en mémoire si jamais vous avez besoin de le réutiliser. Pour terminer, on peut venir fixer la casquette par soleil de chaque côté dans les inserts qui sont prévus, hop, de cette manière. Si vous utilisez plusieurs caméras sur ce kit, vous pouvez fractionner l'écran de plusieurs manières, à savoir en mode duo avec deux caméras spécifiques de chaque côté de l'écran gauche-droite, ou alors carrément en quad, à savoir les quatre caméras affichées en même temps. La caméra est en aluminium, elle a un angle de vision de 120 degrés, répond aux normes d'étanchéité IP69K, c'est-à-dire le plus haut niveau d'étanchéité poussière eau. Elle possède des LED pour la vision nocturne infrarouge, un petit micro à l'avant pour que le conducteur entende ce qui se passe à l'arrière du véhicule pendant l'utilisation du véhicule. Nous avons un petit bouton pour appairer, lorsqu'il est nécessaire de le faire, l'écran avec la caméra ou les caméras qui composent le kit sur le véhicule. Et nous avons les quatre petites vis, donc deux de chaque côté, qui, à l'aide de cette clé Allen qui est fournie également dans le kit, qui nous permet en fait de venir régler la casquette en même temps que vous venez régler l'inclinaison de la caméra. Nous allons passer au raccordement des faisceaux et ben là, rien de plus simple. Vous avez un petit câble de 50 cm avec un raccordement pour la caméra et deux fils qui se terminent en fil nu, positif, négatif. Pour l'écran, il faut utiliser ce faisceau principal qui a un connecteur avec un détrompage pour venir se raccorder directement au connecteur femelle de l'écran. Et comme pour la caméra, on vient utiliser ce faisceau avec le raccordement qui se termine pareil en positif négatif. Autre variante pour l'écran, il est tout à fait possible dans le cas d'un démontage régulier d'utiliser un allumage allume-cigare avec le même connecteur ici que pour l'alimentation permanente. Ce système fonctionne sous la double tension 12-24 volts. Pour le test, j'ai simplement branché les deux éléments de manière très simple, positif, négatif. Donc l'écran s'est mis sous tension. Il est positionné sur la caméra 2, donc il suffit de sélectionner à l'aide du bouton de droite l'affichage de la caméra 1 et on se retrouve avec un système parfaitement fonctionnel dès le déballage. Comme on peut le voir, la qualité d'image est similaire à un kit filaire. La réactivité est excellente. Nous avons une portée jusqu'à 120 mètres d'utilisation. Pas d'interférence avec les autres appareils électroniques et on peut installer jusqu'à 4 caméras sur cet écran. Les applications pour ce système sans fil sont multiples. Camions, semi-remorques, grues, BTP, les camping-cars, les fourgons, les vannes pour les chevaux,
les tracteurs agricoles. Vraiment, laissez place à votre imagination, vous pouvez l'installer vraiment partout tant que vous avez une alimentation pour l'écran et la caméra. Si on résume les points forts de ce système sans fil D1468, nous avons une installation qui est très rapide et facile. L'appairage est automatique entre cet écran 7 pouces fractionnable et cette caméra à lune noire IP69K très résistante. On peut installer jusqu'à 4 caméras sur cet écran. La distance d'utilisation est de 120 mètres entre les deux éléments. Et on peut enregistrer ce que vous visualisez à l'écran en direct pour réutilisation des données en cas de besoin. À bientôt pour de nouvelles démonstrations produits.